Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi suis content pour moi avec nous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jodi a monde artistique là, monde mode là et puis showbiz là a crié la mort Pierre Edouard Rosier alias Maïkadou. Yo rive joine Maïkadou mouri la Kaeli. Dans Pétionville, c'est une nouvelle qui l'a gagné en pile tristesse dans le monde qui te côtoyé monsieur ça et monde qui connaît monsieur ça qui quittait un paquet contribution derrière lui monsieur qui était contribution lui performance lui qui pas gain pareil dans film La Rebelle. C'est de ça nous pral parler dans vidéo ça madame monsieur, suivez vidéo ça jusqu'à la fin. Non pas MCL le janvier, merci pour fidélité et attention, pas oublier pour abonner sur chaîne ça pour l'autre vidéo et puis partager vidéo ça avec l'autre monde. N'a tourné. Yon l'autre fois encore, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Moins content pour moi avec nous pour une nouvelle vidéo. Ça, rendez nous prêts à parler de la mort Pierre-Edouard Rosier, alias Maïkadou, qui mourit dans une circonstance jusqu'à présent que moun beaucoup capable de joindre lumière sous. Calamor, monsieur ça. Yo, rive joine monsieur à mourir sous cabane la Kali, dans Pétionville, et il découvre avec un drame mauvais. Selon tout témoignage d'assemblée, monsieur mourit violemment. Et yo joine yon bol et puis yon sextoy. Bon, cadavre là. C'est pour ça, Maïkadou. Parti pour l'au-delà, madame, monsieur, c'est yon la mort qui quitte en pile tristesse nan mitan zami proche li et moun qui te kon apprécie travail, monsieur, ça qui li même c'était yon maquilleur que en pile moun reconnaît talent, monsieur, ça te gagné nan milieu maquillage là. Maïkadou, pas seulement yon maquilleur. Li c'était également un acteur côté il était joué dans le film La Rebelle. Dans l'année 1996, Maïkadou li tap évolué au sein de troupe Tonton Bichat, donc côté que il était décroché au rôle malade mystique dans le film Fourougan. En pile monde capable voir film ça sur YouTube, nous connaît ça très bien. Donc si n'a cherché Well, monsieur ça t'appelé comme maquilleur dans I Love You Anne et We Love You Anne. Monsieur t'a pral fait remarquer talent li dans Digicel grâce avec et métier maquillage là. Monsieur li évolué dans monde modelant, li évolue dans le monde cinéma, li évolue même dans le marketing. Madame, monsieur, c'est comme ça, monsieur Tapral fait connaissance avec Digicel. Côté, li Tapral vend talent avec compagnie téléphone, ça qui est le Digicel, là, madame, monsieur. Maïkadou, li gagne une belle histoire avec Digicel, compagnie téléphone ça nous connaît. Donc li t'est arrivé dans Digicel comme maquilleur, mais li vini avec le temps c'est une figure qui t'est marqué Digicel d'après Vélina Charlier qui c'était officier marketing de compagnie Digicel. Donc comme nous Kawé et Maïkadou lui-même li gagné et sport li fait avec Digicel li gagné visage li qui c'est un visage de marque pour compagnie Digicel li même li t'est servi comme une figure qui marqué Digicel talent te fait que d'arriver là et li te fan Maxa nan Antio avec nan Jamaïque. Madame, monsieur, donc nous kawe que Maïkadou li même li parti li kite tout talent sa yo derrière. Li c'était maquilleur Digi Girls. C'est lui même qui te kon maquillé mesdames
Gigi Gazio. N'a noté, madame, monsieur, que yo te joint visage li genye sans souli et puis plein en tête li. Maïka dou mouri non circonstance que moun poko ka fin konnen te joint appartement fermé pa de yo. OK, appartement fermé pa de yo et que juge qui te fait constat, juge Karl Henri Destin, c'est juge des personnes qui te fait constat, c'est juge là qui te bail l'ordre pour te forcer porte qui te ferme bande yo. Donc pour yo te capable en temps leur yo rivé yo joine comme Pierre Edouard Rosier alias Maïkadou lui-même qui te sous cabane li madame monsieur. Et magistrat a confirmé que c'est un assassinat et ça semble fait jour vendredi qui était 9 octobre madame monsieur. Donc c'est ça magistrat les mêmes li fait qu'on est li décerné un mandat d'amener contre monsieur J.A. qui t'a semblé responsable Zaxa. C'est un originaire de la ville des Cailles. D'après proche et victime nan, c'est monsieur ça qui t'a vive dans Cailles avec Maïkadou depuis mars 2020. Et monsieur ça va répondre téléphone d'après sa juge Karl Henri Destin lui-même lui fait qu'on est et yo joine yon couteau qui pas de gagner sans visiblement souli à l'œil nu. Donc l'on regarde la yeux ou pas ouais sans sous couteau. Pour nous dit ministre culture et communication Pradel Henriques dans un communiqué lui-même li parlait de maquilleur ça lui-même qui parti pour l'au-delà. Donc il dit que maquilleur a te gagné en pile talent qui t'est rehaussé éclat dans quelques spectacles de danse de théâtre dans plusieurs éditions de Fashion Weeks. Donc c'est ça que li dit. Donc c'était un personnage exceptionnel. Il exigeait gagner une enquête sérieuse qui fait pour faire lumière sur la mort Maïkadou. N'a pas noté que madame monsieur, c'est pas première fois yon cas qu'on s'en produit en Haïti. En novembre 2019, corps Charlot Jeudi, président association Courage, yo te joine monsieur ça mouri la Kaili Vivi Michel et pas gen trace blessé sous colli. C'est ça information yo rapporté madame monsieur. N'a fini vidéo ça là, n'a dit que ainsi va la vie madame monsieur, c'est malheureux que moun ki te connaît monsieur ça talent ça qui parti pour l'au-delà. Donc yo absenti absence monsieur ça dans milieu ya bon côté yo et n'a voyé sympathie non by famille proche victime non et tout le monde qui est frappé par deuil ça madame monsieur. Merci pour fidélité nous attention nous t'es content pour nous présenter vidéo ça non pam CL Muller janvier n'a croiser tout de suite dans prochaine vidéo. Bisous pour mesdames yo, papa pour monsieur yo, pas oublier partager vidéo ça avec un autre monde. Ciao.